Bonjour les lions, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil les lions. Pour vous aider à faire de cette période octobre-novembre 2020 la plus belle des périodes de l'année, j'ai décidé de vous proposer un tirage sur l'oracle du Béline. Donc fermez les yeux les lions, respirez profondément et pensez à vos questions. Lion, 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 que va-t-il se passer pour les lions? Lion, 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 octobre-novembre 2020, octobre-novembre 2020 pour les lions. Et c'est parti les lions. Alors les lions, voyons voir ce que l'avenir vous réserve. Oh, on me parle d'une période de paix. L'apaisement revient dans votre vie. Donc vous avez dû traverser un peu des difficultés début octobre, depuis la rentrée. Hein. En tout cas, là on me dit que autant vous avez eu des difficultés ces derniers temps, autant là vous allez rentrer dans une phase de paix, d'apaisement, de repos. Vous allez enfin pouvoir souffler par rapport à tous les événements que vous avez dû traverser ces derniers temps les lions. On nous parle de destin. La carte de la destinée, votre destin est sur le point de se réaliser. Vous êtes battu, vous aviez des rêves, des envies, des désirs. Le confinement n'a pas aidé, vous avez été un peu ralenti sur votre chemin de vie. En tout cas, votre destin vous rattrape. Ce qui est écrit n'a plus qu'à être accompli. C'est ce qui va se passer. C'est écrit, vous en avez donné les moyens. Votre destinée va se réaliser. Il est temps de prendre un nouveau départ. Continuez d'observer. Il y a des blocages. Continuez d'observer. La carte de l'observation, la découverte. Observez et vous allez découvrir les synchronicités qui vont pouvoir vous aider à aller là où vous devez aller. Donc que ce soit d'ordre professionnel, sentimental. Par exemple, vous avez perdu votre travail, vous cherchez un nouveau travail. Avec le confinement, il n'y avait pas de travail. Ben là, vous allez chercher, vous allez trouver un nouveau travail. Pour les célibataires, j'avais pas de chéri, je trouve pas de chéri. Observez, vous allez découvrir un nouveau chéri. Pour les couples, vous cherchez à faire évoluer votre relation, à remettre du piment dans votre vie, à déménager, à faire un bébé, peu importe ce que vous cherchez par rapport au couple, observez, vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre d'y arriver. Par exemple, vous voulez faire un bébé, votre chéri est un peu fainéant cet magnétant, vous allez trouver une super recette au gingembre qui va le motiver un petit peu. Allez doudou. Donc oui, observez, adaptez ce tirage à votre chemin de vie, c'est pour cette période octobre-novembre 2020. En tout cas, observez et vous allez trouver les solutions à votre problème. Vous allez pouvoir matérialiser la vie de vos rêves. Et on nous parle de réussite. Réussite, pas n'importe quelle réussite. Hein. La réussite, la corne d'abondance. La corne d'abondance pour les lions, la corne d'abondance qui représente une réussite, effectivement, mais également des rentrées d'argent, une réussite professionnelle. La corne d'abondance représente l'abondance qui revient dans votre vie. Pour ça que si c'était des blocages professionnels, attendez-vous à être débloqué sur le plan professionnel. Et du fait d'être débloqué, d'avoir choisi un nouveau chemin, peut-être vous avez changé de travail, vous avez lancé une nouvelle carrière, vous avez du mal à décoller, un nouveau projet, peu importe ce que vous avez lancé. En tout cas, là vous entrez dans une période beaucoup plus favorable, votre ciel astral se dégage sur cette fin d'année, l'abondance va pouvoir revenir dans votre vie. On me parle de pertes. Bon ça, il y a eu des pertes, hein, donc des pertes, c'est pertes. Pour les célibataires en amour, bah, la perte d'un chéri. La perte d'un chéri, d'une relation toxique, d'un homme qui ne pouvait pas vous apporter ce que vous attendiez, d'un homme qui prenait sans rien donner en retour, un homme qui ne vous méritait pas. Pour ça, si c'est d'ordre sentimental, cette perte, vous avez perdu un chéri, depuis c'est un peu dur, vous avez dû réparer votre cœur brisé, vous allez de l'avant, mais c'est ce qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Une perte, ça peut être la perte d'un travail, la perte... Peu importe la perte, vous savez ce que vous avez perdu ces derniers temps, vous avez perdu quelque chose d'important, mais c'est parce que vous avez perdu quelque chose d'important que vous allez pouvoir trouver quelque chose d'encore mieux. Sans cette perte, vous n'auriez pas avancé. Rien n'est jamais contre nous. L'univers donne, l'univers reprend. Quand l'univers donne, faut en profiter. Quand l'univers reprend, il faut laisser partir. Parce que quand l'univers reprend, c'est pas pour nous embêter. C'est toujours qu'il a quelque chose de mieux à nous donner et vous allez en prendre conscience prochainement, les lions. Donc regardez ce que vous avez perdu, acceptez d'avoir perdu ce que vous avez perdu, que ce soit un chéri, un travail, de l'argent, une opportunité, un procès, une maison, peu importe ce que c'est cette perte. En tout cas, observez, vous allez découvrir la solution qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, ce nouveau travail, cette augmentation, cette mutation, cette nouvelle maison, ce nouveau chéri. Observez, découvrez une perte, mais une perte pour vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Donc allez de l'avant, c'est le choix intelligent. Le choix intelligent, ne refaites pas les mêmes erreurs, ne restez pas bloqué. Si vous avez envoyé un CV à une entreprise, par exemple, et que cette entreprise ne vous répond pas, n'attendez pas, envoyez à une autre entreprise. Si vous avez eu un premier rendez-vous avec un homme, il était sympa, mais plus de nouvelles, n'attendez pas, allez de l'avant, rencontrez une nouvelle personne.
Si vous attendez, si vous avez des projets par rapport à votre famille, mais que vous attendez que votre chéri dans votre couple prenne les initiatives et qu'il ne le fait pas, n'attendez pas, prenez-vous les initiatives. Lion, vous êtes fort. Le lion, c'est le roi ou la reine. Donc, vous êtes les rois. Donc, à vous de prendre les devants. À vous de faire preuve d'intelligence. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Ils ne le feront pas. Ce sera à vous d'agir comme d'habitude. Ben, c'est pour ça que vous êtes le roi. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui décidez d'avancer. Donc, allez-y. Et ceux qui vous aiment vous suivront. On parle de passion, faites paille. Il y a eu des solutions ces derniers temps, des choses qui vous ont plu, mais qui vous semblaient bien, mais ça s'est pas vraiment concrétisé, pour ça que vous avez été un petit peu déçus. Ça peut être par exemple, on vous a parlé d'un nouveau travail, mais à la dernière minute, ça s'est pas fait. On vous a promis une augmentation, mais vous l'avez pas eu. Vous avez fait des rencontres, des mecs qui avaient l'air sympas par exemple, mais finalement, ces mecs étaient mariés, ou ces mecs ne pouvaient pas vous apporter ce que vous attendez. Donc des passions, faites paille, vous avez trouvé des solutions, ça vous semblait pas mal, mais c'était pas ça. Parce que la solution, elle sera encore mieux que ça. On me parle pour cette fin d'année, novembre, octobre, novembre, d'espoir qui se réalise. Donc fin octobre, observez, vous allez découvrir les chemins qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, les portes à ouvrir. Et on a la carte de la beauté qui représente les espoirs qui se réalisent. C'est parce que vous avez agi avec intelligence, vous n'avez pas attendu un changement des autres, vous avez lâché prise sur ce que vous ne pouviez pas contrôler et vous avez incarné le changement que vous vouliez voir dans ce monde. Vous êtes sorti de votre zone de confort et grâce à ça, les lions, ce mois de novembre est plein de belles promesses. C'est ce mois de novembre qui va vous permettre d'enfin réaliser vos espoirs. Et encore une fois, ce qui vous attend devant était bien plus beau que tout ce que vous avez connu avant. Donc même si vous avez été déçu, même si vous avez cru y arriver ces derniers mois, en septembre, en octobre, des opportunités, des rencontres, des choses qui avaient l'air pas mal, mais finalement, ça s'est pas passé comme vous le vouliez parce que c'était pas encore le bon moment. Le bon moment, c'est ce mois de novembre. Donc foncez, sortez de votre zone de confort, affrontez vos peurs. Derrière votre peur se trouve le bonheur. Les astres sont avec vous. Tout l'univers complote pour vous aider. Et si vous vous en donnez les moyens, un million, pendant ce mois de novembre, rien ne pourra vous arrêter. Voilà les lions. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Facebook. Je vous mets le lien dans les descriptifs de cette vidéo. Vous pourrez poser directement vos questions aux membres de l'Académie de l'Éveil. Les académiciens de l'Éveil se feront une joie de vous aider à réaliser votre mission d'âme. Donc si vous avez des hésitations sur votre chemin de vie, si vous voulez développer vos dons, si vous voulez en apprendre plus, ou participer à la transition vers cette nouvelle Terre, vers cette nouvelle humanité, vers la cinquième dimension, vous êtes bienvenue dans notre communauté Facebook. C'est gratuit et c'est ouvert à toutes les belles âmes, assez folles pour pouvoir changer ce monde. Je vous aime les amis, je vous souhaite de passer la plus belle des journées, un magnifique mois d'octobre, un magnifique mois de novembre, une super fin d'année. Merci aux académiciens de l'éveil pour cette magnifique aventure humaine que nous partageons tous ensemble tous les jours, c'est merveilleux. Et je vous dis à très bientôt.